Pourquoi est-ce qu'on va parler de climate tech? Parce qu'en fait, d'un point de vue environnemental, on se dirige droit vers un horizon à plus 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Ça veut dire qu'on va vers un monde qu'on n'a pas encore connu, avec des impacts non pas seulement environnementaux, mais sociétaux. Et c'est ça qu'on veut adresser avec la climate tech. Plus 60% d'événements climatiques extrêmes entre 1880 et 2019. Ça veut dire que ce qu'on fait en termes de climate tech, c'est aussi une réponse à des enjeux environnementaux et financiers. Et le besoin financier, ce serait mon troisième chiffre, c'est 5 milliards de dollars par an sont nécessaires aujourd'hui, d'ici 2030, d'après Reuters, pour financer le changement climatique. Voilà, donc c'était juste pour recontextualiser pourquoi on fait de la climate tech.